Bon Matin, bon matin, Portail, comment ça va? Est-ce qu'on peut dire un alléluia? alléluia? Nous sommes dans une série qui se nomme Solafide et ça t'explique un peu la version du christianisme du portail. Le portail, comme plusieurs églises, vous savez, dans le christianisme, il y a plusieurs versions et souvent les gens qui, qui viennent au portail posent la question, mais c'est quoi ça la différence avec. Par exemple, ce qu'on connaît au Québec, l'Église catholique. Hein? Et on se pose la question, dans le christianisme, c'est quoi la différence entre l'Église catholique, l'Église orthodoxe grecque, c'est quoi la différence avec les protestants, les évangéliques, puis il y a même des sectes chrétiennes qui ne font pas partie du christianisme orthodoxe, comme les témoins de Jéhovah, les mormons. Donc, c'est quoi la différence? Et Sola Fide résume la version de notre christianisme qui se retrouve dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ont commencé à dire il y a cinq choses qui doivent, qui doivent définir le christianisme. Et c'est en latin, parce que le langage de l'époque, c'était le latin. Et c'est ce qu'on appelle les cinq solas. Et ces cinq solas, c'est simplement sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus et soli deo gloria. Maintenant, qu'est-ce que ça mange en hiver? Notre version du christianisme, c'est-à-dire que nous croyons que tout commence avec « sola scriptura », l'écriture seule. Ça veut dire qu'au portail, nous croyons que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, ce n'est pas ce que le pape dit, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la culture dit, c'est ce que la Bible dit. Et quand un fondement biblique s'amène que deuxièmement « sola gratia », c'est-à-dire Dieu sauve. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu sauve? Maintenant, nous ne sommes pas sauvés par nos mérites, parce que nous sommes de bonnes personnes. Dieu sauve par grâce des mauvaises personnes qui sont pécheurs et ça c'est 100% d'humanité. 100% d'humanité pécheresse et encore une fois ceux qui sont sauvés c'est ceux qui se confient en Jésus par la foi seule, c'est le troisième sola, sola fide. On croit que le moyen par lequel on est sauvé, c'est pas encore une fois par notre baptême, c'est pas parce qu'on est membre d'une église locale, c'est pas par un rituel, c'est pas en récitant le chapelet, c'est en mettant notre foi en Jésus seul. Et parlant de Jésus seul, nous croyons que Solus Christus, que Jésus est le seul médiateur en Dieu et les hommes. On croit que si tu veux te rendre à Dieu, n'as pas besoin de passer par un homme de Dieu. On ne croit pas que le, que le pasteur est l'homme de Dieu, que le médiateur en toi et Dieu. On ne croit pas que le pape est médiateur. On ne croit pas que Marie est un pont vers Dieu. On ne croit pas que les anges sont des ponts vers Dieu. On ne croit pas que grand-maman qui est décédée, qu'on lui parle, est un pont vers Dieu. On croit que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Et le dernier cela, c'est solideo gloria. Ça veut dire que nous croyons que Dieu nous a créés pour sa gloire seule. « Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour ton confort, il est venu te faire réaliser que nous avons été créés pour vivre à la gloire de Dieu. » Amen. Donc, à cela étant dit, nous sommes dans l'Épître de Paul aux Romains, où Paul enseigne, cela dit qu'on est sauvé, encore une fois, on s'accroche à Jésus par la foi seule. Et Paul va dire quelque chose qu'on a vu la semaine dernière, il va dire « Là où le péché abonde, la grâce abonde. Là où le péché abonde, la grâce sera abonde. Ah, on l'aime ce verset-là. Hein? On aime ça parce qu'on se dit Peu importe mes péchés, la grâce surabonde. Et vous savez, quelquefois dans des églises, pas ici, mais on entend ce que le pasteur dit, puis on tord un peu ce que le pasteur dit. Ah, Paul va enseigner quelque chose et l'Église va tordre quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement bien compris la grâce de Dieu qu'ils abusent de la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul veut démontrer dans Romains. Vous savez, on connaît les légalistes. On parle beaucoup du légalisme dans les églises. C'est quoi le légalisme? C'est des chrétiens qui pensent que mon obéissance à la loi, mon obéissance à la parole de Dieu est la cause de mon salut et de la faveur de Dieu dans ma vie. Et généralement, on dénonce ça, mais je veux juste te dire que dans le christianisme évangélique moderne, ce n'est pas le genre de bébite qu'on retrouve beaucoup. On retrouve un autre type de bébite que dénonce l'apôtre Paul, c'est ce qu'on appelle les antinomistes. Tu dis, mais c'est quoi un antinomiste? C'est quelqu'un qui est contre la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que peu importe... Comment je, je suis sauvé par grâce, Ils ont tellement compris le salut par grâce, qu'ils se disent je peux vivre n'importe comment parce que d'une manière ou d'une autre, Dieu va me pardonner. C'est des gens qui disent que d'une manière ou d'une autre, Dieu connaît mon cœur. C'est des gens, généralement les gens qui disent Ne me juge pas, généralement, c'est des antinomistes. Si tout le monde autour de toi te dit quelque chose, tu as l'impression que tout le monde te juge, peut-être que c'est toi qui es dans l'erreur. Je sais que ce n'est pas populaire comme message culturel. Mais la réalité, c'est qu'on se promène. Donc, il y a des légalistes qui sont à l'Église par obligation. J'espère que tu es pas ici par obligation. Puis tu en as d'autres, des antinomistes qui sont à l'Église qui trouvent que c'est une option. Alors que dans le christianisme, on sait que l'Église, c'est un privilège d'être là, de venir offrir notre adoration toutes les semaines à notre Dieu. ce que je peux entendre amène à ça? C'est fondamental. Donc, pour le légaliste, la grâce, elle est absente. Pour l'antinomisme, la grâce, elle est Abusé. Et dans le christianisme, la grâce, elle est active. Le légaliste est dans la religion. L'antinomiste rejette sa responsabilité. Quand tu es dans le christianisme, tu réalises que d'obéir à la parole de Dieu est une opportunité. Ce n'est pas la cause de ton salut, mais la conséquence de ton salut. Et je parlais de Et pour moi, le, le, le phénomène qui, qui révèle comment le christianisme moderne est beaucoup plus dans l'antinomisme que dans légalisme, c'est que des chrétiens dans l'église de Rome, comme peut-être au portail, t'as tellement bien compris que la grâce de Dieu, que la grâce excuse ton péché. Je donnais exemple, un exemple, l'exemple du dimanche. Vous savez, est-ce qu'on est, est, qu est d'accord que le culte du dimanche ne sauve pas? Amen, t'écoutes bien les prédications. Mais est-ce qu'on est, qu est, qu est d'accord que d'être ici, n'est pas une option pour le croyant? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est une opportunité? Est-ce qu'on est, qu est d'accord que quand tu es enfant de Dieu, Jésus t'a sauvé? Vous savez, il y a un cas biblique, le premier chapitre de la Bible parle du sabbat, qui est un jour le peuple de Dieu se réunit pour réaliser qu'il se repose de ses œuvres en Dieu. Dans l'ensemble de la Bible, même c'est un commandement. Et on arrive dans le Nouveau Testament, des chrétiens disent Non, mais ça n'a plus rapport. Jésus enseigne que le sabbat est une illustration du salut par grâce, du repos qu'on a. On n'a plus besoin de travailler pour nos, notre salut. Nous recevons le salut par grâce. Mais tu regardes les premiers chrétiens, alors que Jésus ressuscite le dimanche, ils se réunissent à toutes les semaines. L'apôtre Paul le prend pour acquis, on appelle même ça dans le Nouveau Testament le jour du Seigneur. Et il y a des chrétiens, lorsqu'un pasteur prêche que je viens de prêcher, puis il y a des gens comme ça ici, tu dis Mais ça, c'est du légalisme. Si au moment où tu m'entends énoncer une théologie du culte, de réuni, la réunion du dimanche, dans ton cœur, tu dis C'est du légalisme, c'est la preuve que tu es un antinomiste. Parce qu'encore une fois, dans le christianisme évangélique moderne, beaucoup de chrétiens voient ça comme de l'optionnel. Mais quand tu réalises, vous savez, il y a plein de gens qui disent si par exemple, OK, je vais le dire autrement, il y a, il y a un privilège d'adorer le Seigneur il y a beaucoup de gens, la moyenne des chrétiens vont manquer l'Église une, deux, trois fois par mois, puis ils disent Mais encore une fois, ce n'est pas, pas si important que ça. Les raisons bibliques, si tu malade, est-ce qu'on s'entend quelqu'un qui est malade non. Si tu travailles, tu es infirmière, on s'entend. Si tu n'es pas à l'église parce que tu es fatigué, est-ce qu'on s'entend que ce n'est peut-être pas une raison biblique? Est-ce qu'on s'entend que si tu n'es pas à l'église parce que ça ne te tente pas, si pour toi l'église c'est juste un devoir, si tu n'es pas à l'église parce que tu es au début de session, à la mi-session ou à la fin de session, c'est que tu vois l'église comme une perte de temps alors que le chrétien voit l'église comme un investissement en Dieu. Alors qu'on voit ça comme un moment, Dieu nous a donné toute la semaine. Dieu mérite d'avoir un moment, une heure dans la semaine où -ce que je m'arrête, où -ce que je lui offre mon adoration, où j'entends la parole, où je me réunis avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a sauvé, je suis enfant de Dieu. Ceux qui sont d'accord disent Amen. Les autres, avaient le droit de me huer. Et c'est important, c'est important de, de distinguer, c'est le message de Paul, la justification et la sanctification. OK. La justification, c'est Dieu qui te déclare juste te sauve. La sanctification, c'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend semblables à Jésus. C'est deux affaires différentes. On est d'accord La justification et la sanctification ne peuvent pas être mélangées. On est sauvé par la foi seule. On n'est pas sauvé parce qu'on obéit à la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen Mais on ne peut pas les séparer parce que Jésus a dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Jésus dit Ayez du fruit digne de la repentance. Quand Jésus a vraiment sauvé ta vie... Ta vie est transformée. Ça amène un résultat dans ta vie. Vous savez, c'est comme. Est-ce que des gens, vous travaillent au McDo, vos jeunes travaillent au McDo? Tu sais, la première journée, là, tu lui donnes l'uniforme du McDo. Moi, j'ai des jeunes qui ont travaillé au McDo, là. Tu sais, la première journée, là, il y a encore les plis. Ça en va travailler. Tu sais, un bel uniforme. Tu sais, dans le noir, il flash. Hein? C'est drôle parce que le jeune, sa première journée, il a l'uniforme du McDo, mais il ne sait pas encore comment faire des Big Mac. Ça, c'est ce que Dieu fait avec nous. Tu arrives ici, tu ne connais rien de Dieu, rien de Jésus, tu te confies en Jésus, boum, il te donne l'uniforme, tu es déclaré juste, tu es un enfant de Dieu, tu n'as rien fait, la foi seule. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, Jésus te dit Maintenant, je vais te montrer comment faire des Big Mac. Maintenant, je vais te montrer comment marcher comme un enfant de Dieu. Ça, c'est la sanctification. Deux étapes qu'on ne peut pas mélanger mais qu'on ne doit pas séparer d'ailleurs en tant qu'Église, ça prend quoi pour être membre du portail? C'est super facile. Il faut juste que tu sois un enfant de Dieu. Tu t'es confié en Jésus. Tu sais, dans plusieurs Églises, être membre, c'est-à-dire des gens qui se convertissent pour être membre, si c'est comme une étape de sainteté. Il faut que tu suives dix secours, trois séminaires. Non! Être membre du corps de Christ, c'est membre du royaume de Dieu. C'est quelqu'un, tu reçois Jésus. Rien de plus compliqué. La foi seule. Est-ce que je peux entendre même? On ne te demande pas de nettoyer ta vie, viens à Jésus. Maintenant, quand on parle avec des gens, on sait que quelqu'un qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va toujours l'amener à conformer sa vie à la parole de Dieu. Donc, si tu as vraiment eu la repentance, tu as le fruit de la repentance. Et en tant qu'Église, c'est exactement ça. Pour être membre, il faut simplement que tu aies cru en Jésus. Mais quelqu'un qui dit, je crois en Jésus, mais ce livre-là, je ne veux rien savoir, nous doutons que tu as vraiment reçu Jésus. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est le secret pour vaincre le péché dans ta vie. Rien de moins. Donc, après avoir parlé de justification, l'apôtre Paul parle de sanctification. Donc, sans plus tarder, Romains 6, versets 1 à 14. Si vous avez votre Bible et que vous êtes dans Romains 6, dites Amen. OK. Donc, il reprend. On a terminé la semaine dernière que Paul dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, l'Église de Rome dit « Hallelujah, preach it, brother! » Et Paul veut s'assurer que l'Église a bien compris ce que lui a voulu dire. Vous savez, souvent, les pasteurs, ont dit quelque chose, on pense qu'on sait ce qu'on dit, mais les gens pensent autre chose que ce qu'on a dit. T'as-tu pris ton café? Ouais, OK. Voici ce que dit Paul. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Ben non! Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, parenthèse, l'apôtre Paul prend pour acquis qu'un qu chrétien est baptisé. Pour l'apôtre Paul, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, qui n'est pas baptisé pendant des années, ça n'existe pas. Et donne l'image du baptême comme, qui est une illustration de la conversion de ce que Jésus a fait dans nos vies. Donc, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature, littéralement notre vieil homme, a été crucifié avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, ah, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscite d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant il vit, qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas ses convoitises ne livrez pas vos membres au péché comme membres pour l'injustice mais livrez-vous vous, vous même à Dieu comme des vivants revenus à la vie et offrez à Dieu vos membres comme des armes pour la justice le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce est-ce que je peux entendre un grand amen OK est-ce que des gens ici qui ont encore du péché dans ta vie les pasteurs lèvent pas la main pourquoi merci T as fait la même erreur à la première union. C'est comme... Nous avons tous du péché dans nos vies. Maintenant, Jésus est venu nous pardonner du péché, mais également nous purifier du péché. Alléluia! Première étape, voici ce que dit Paul. La parole de Dieu dit, « Que dirons-nous donc? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché avec la grâce abonde? » Non! Non! Premier principe, si tu veux triompher du péché dans ta vie, et ça devrait être le cas de 100% des chrétiens qui sont ici, le chrétien peut visiter le péché mais ne peut pas demeurer dans le péché. Le chrétien peut visiter le péché, le chrétien peut tomber dans le péché mais ne peut pas rester dans le péché, est-ce que je m'entends en même main? Maintenant, c'est quelle sorte de chrétien que je parle parce que plusieurs versions de chrétien. Est-ce que c'est quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui va à la messe, quelqu'un qui est baptisé Ma définition d'un chrétien, c'est la définition de la parole de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés, qui a mis sa foi en Jésus qui est né nouveau et qui a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, un chrétien authentique, selon la Bible, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Il a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, devant moi, j'ai du monde qui ont tous l'air chrétien. Puis je suis conscient qu'il y a des visiteurs, merci. Mais généralement, je vois des chrétiens, et soyons honnêtes, il y a des chrétiens authentiques, puis il y a des chrétiens qui, qui font des affaires de chrétiens, mais qui n'ont pas de nouvelle naissance. Tu n'es pas un chrétien selon, selon le standard de la parole de Dieu. Et c'est quoi la différence? C'est la même différence qu'il y a entre un tournevis et une drille. Un tournevis et une drill vont faire à peu près la même affaire, mais ils n'ont pas la même puissance à l'intérieur. Dis à quelqu'un de côté de toi, sois une drill. <laughs> Vous savez, des gens qui décrétient par leur propre force, c'est la religion par leur propre force. Mais non, tu ne marches pas par tes propres forces, tu as le Saint-Esprit qui est une puissance à l'intérieur de toi qui t'aide à marcher d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Donc, à la première union, on dit Amen, je prends pour acquis. Qu'il y a des gens ici qui. qui, qui Est-ce que tout le monde est chrétien? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens? Est-ce qu'il y a du monde qui a le Saint-Esprit? OK, bon. Tu as le Saint-Esprit, mais la Bible dit que si tu es un chrétien et que le Saint-Esprit, Paul dit Tu ne peux pas demeurer dans le péché. Ça veut dire quoi? OK, à un moment donné, plusieurs d'entre nous, j'ai déjà fait visiter à mes, ma femme et mes enfants des, mes anciennes maisons. Quand j'étais jeune, je disais ah, voici, j'habitais là, j'habitais là. Puis, vous savez, des fois, tu arrives dans un endroit où tu as vécu. Puis tu as, as, as la madame qui est en train de son jardinage, puis tu peux, tu peux lui demander est-ce que je peux visiter C'est déjà arrivé, puis où ouais, elle accepte Donc, je peux visiter la maison de mon passé, mais je ne peux pas me coucher dans le lit. Je ne peux pas ouvrir le frigo. Pourquoi Je peux visiter la maison, mais je ne peux pas rester là. Pourquoi Parce que ce n'est plus ma maison. Malheureusement, il nous arrive encore de visiter le péché, mais on ne peut plus rester dans le péché, ce n'est plus notre maison. Jésus nous a fait déménager des ténèbres à la lumière. C'est super important. Et Paul dit: tu peux pas es un enfant de Dieu que Saint-Esprit, tu ne peux pas demeurer dans le péché et vivre dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir le style de vie d'un non-chrétien. Si tu te déclares chrétien, quand on regarde ta vie, on devrait voir une différence avec quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie. 100 des chrétiens ont lutte avec le péché. Maintenant, si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu ne peux pas. Persévérer dans un péché visible, non repentant. Qu'est-ce que ça veut dire On a tous du péché dans nos cœurs, même toi. <laughs> Jésus dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Un chrétien, on, on le tous avec le péché. Mais à un moment donné, quand un chrétien parle comme un non chrétien, se comporte comme un non chrétien, il devrait y avoir un flag qui lève, parce que le Saint Esprit à l'intérieur de toi. Si le Saint-Esprit est vraiment à l'intérieur de toi, il ne va pas te rendre confortable dans ce péché. Ceux qui ont l'Esprit sont conduits par l'Esprit. Donc, en fait, ce que Paul dit, la Bible dit que tous les chrétiens continuent à lutter avec le pécheur, avec le péché, mais un chrétien ne peut pas avoir un péché visible grave, c'est-à-dire qui apporte le discrédit au nom de Jésus. Il y a des gens, tu te déclares chrétien, puis les non-chrétiens regardent autour de toi, puis ils voient c'est ça un chrétien, et tu portes préjudice au beau nom de Jésus. Si le Saint-Esprit est vraiment à l'intérieur de toi, il ne va pas permettre ça. Et c'est ça, il y a des gens, des fois, qui persévèrent dans le péché pendant du temps, puis ils discréditent le nom de Jésus, puis ils se disent chrétiens. Et les gens autour disent bien, selon le standard de la parole de Dieu, si tu étais vraiment un chrétien, tu vas lutter avec le péché, tu peux tomber dans le péché, tu peux visiter le péché, mais tu ne peux pas persévérer dans le péché. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Et Paul va expliquer pourquoi. Regarde le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Pourquoi? OK, quand tu crois en Jésus, tu sais qu ce qui prend place? Non seulement tes péchés sont pardonnés, tu as le Saint-Esprit, mais il se produit quelque chose, ça s'appelle l'union avec Christ. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici, des vrais chrétiens? Ok, ça, je vais vous parler. Le vrai chrétien, quand tu te confies en Jésus, tu deviens un avec Jésus. Toi et Jésus, vous faites un. C'est pourquoi tu ne peux pas aller en enfer parce que Jésus ne peut pas aller en enfer et tu es uni avec Christ. Paul dit qu'il se produit quelque chose de spirituel à la conversion. Tu deviens un avec Jésus. Maintenant, est-ce que des gens t'ont déjà sauté en parachute ici? Lève la main. Quand on saute en parachute, qu'est-ce qu'on fait? On saute en tandem. Tu es attaché, tu es lié avec un instructeur. Des okay, gens qui pensent, là, tu veux sauter en parachute, puis tu penses qu'on te lance comme ça. Non, 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 non. Tu es uni avec un instructeur. Moi, je l'ai fait il y a plusieurs années. Tu es uni, puis tu fais ce que l'instructeur fait. Tu vis avec l'instructeur ou tu meurs avec l'instructeur. Puis malheureusement, tu ne contrôles plus totalement ta vie. À un moment donné, la porte s'est ouverte. Moi, je ne voulais pas sauter, mais il me fait sauter. Je n'ai pas le choix, je suis attaché avec. Maintenant, quand tu es à Jésus, Jésus te fait faire des affaires que ta chair ne veut pas parce que tu es attaché à Jésus. Ça veut dire que quand vraiment tu es à Jésus, Jésus a sauté de l'avion, tu ne peux pas retourner dans l'avion. Tu ne peux pas retourner à ta vie sans Jésus. Et l'apôtre dit que quand tu es avec Christ, de la même manière que Christ est mort, tu es mort avec Jésus. Tous les véritables chrétiens ici, je veux juste te dire que ton histoire, ça va au on est très party, là, très festivité, un juste qui se repart, Alléluia! Mais je veux juste te dire que la vie, la vie chrétienne commence avec des funérailles spirituelles. La vie chrétienne commence avec des funérailles spirituelles. Quand tu viens à Jésus, tu meurs à des affaires. Il y a des ambitions qui meurent, il y a des projets qui meurent, il y a des relations qui meurent, il y a des désirs qui meurent, il y a des passions qui meurent, il y a toutes sortes de choses, tu meurs à toi-même. Et la vie chrétienne commence par la mort, parce que tu ne peux pas avoir la vie de Jésus sans passer par la mort de Jésus. C'est la première chose. Donc, toi qui te dis chrétien, qu'est-ce qui est mort? Es? Est-ce que tu es mort à quelque chose? Est-ce que tu es mort à des choses? Si tu ne peux rien nommer, pose-toi la question si tu es vraiment chrétien, si tu es vraiment uni avec Christ, parce que ça commence avec la mort. Et regarde le verset 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc, je veux dire comme on est greffé à lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le chrétien est uni avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mort au péché. Troisièmement, ça veut dire que tu as une vie nouvelle. Quand tu viens vraiment à Jésus, il y a un avant-après, les choses ont changé. Si je prends de la farine et je la mets au four, ça ne fera pas du pain, ça va rester de la farine. Maintenant, si je prends la farine et je mets de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça devient de la pâte. Maintenant, quand tu viens à Jésus, l'eau de Jésus est déversée sur la farine de ton cœur, tu deviens quelque chose d'autre. Tu n'es plus de la farine, tu es de la pâte. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es de la pâte. Je n'ai pas dit une grosse pâte, j'ai dit de la pâte. Restez concentrés. Maintenant, prends la pâte et tente d'extraire la farine. Tu ne peux plus. Il y a une transformation. Quand tu viens vraiment à Jésus, il y a quelque chose qui change éternellement. Il y a une nouvelle vie qui prend place en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans Jésus, c'est le tombe 1 de ma vie. Dans ce tombe 1-là, il y a Guet embrasseur. C'est l'histoire de Guet Embrasseur sans Jésus. Mais il vient un moment donné où Jésus entre dans ma vie, il y a un nouveau tombe qui commence. Un nouveau tombe avec des nouvelles croyances, nouvelles valeurs, nouvelles priorités, des nouveaux trésors, un nouvel objectif, une nouvelle vie. Maintenant, alors que je suis dans le tombe 2 de ma vie, je ne peux pas retourner vivre dans le tombe 1 de ma vie. Le chrétien qui a une nouvelle vie en Jésus ne peut pas retourner à son ancienne vie sans Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Vie dans le tombe 2 de ta vie. C'est la première chose. La parole de Dieu continue. Regarde le verset 6 et 7, et ça, c'est fort. Donc, nous savons donc que notre vieille nature, littéralement notre vieil homme ou notre vieille femme, pour être inclusif, okay? notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que ce corps de péché, c'est-à-dire le, le, le péché qui se manifeste dans notre corps, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. OK. Ce que la parole de Dieu enseigne... Écoute ça, là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne le savent pas. Le chrétien a la puissance de ne pas pécher. En Adam, l'être humain a l'incapacité de ne pas pécher. En Jésus, le chrétien a la capacité de ne pas pécher. OK? C'est vraiment important. Et souvent, les gens viennent me voir et me disent, «Pasteur Guétin, j'ai du péché.» Le péché, tellement... La puissance du péché est tellement forte dans ma vie que... Je suis esclave de mon péché, j'ai besoin de délivrance. Puis en fait, les gens qui disent ça, c'est qu'ils disent exactement le contraire de ce que Paul dit. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens, chacun d'entre nous, on, lutte avec le, on commence avec la puissance du péché. Mais regarde ce que Paul dit. Paul commence en disant que quand tu viens à Jésus, ton péché a été réduit à l'impuissance par l'œuvre de la croix. Le chrétien ne commence pas avec la puissance du péché, mais tu commences avec l'impuissance du péché. Et là, quelqu'un va lever la main et va dire, mais Pasteur Gaëtan, ce n'est pas mon expérience. Oui, mais ce n'est pas ton expérience que je prêche chez la Bible. Première chose, on va arriver à ton expérience. Mais quel est le fondement? Donc, on commence avec la puissance, puis on croit le mensonge. Écoute bien, le chrétien, plusieurs chrétiens croient le mensonge qu'ils sont esclaves du péché. Paul dit, quand Jésus, tu as été libéré du péché. Tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de connaissance. Paul dit, ne savez-vous pas? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité en Jésus. Tu crois le mensonge du diable plutôt que de croire ce que dit la parole de Dieu. Si tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance de ne pas pécher parce qu'à la croix, Jésus t'a libéré du péché. Tu n'es pas esclave, tu es libre. Mais tu as besoin de le croire. Plusieurs personnes sont esclaves du péché, ton problème c'est l'incrédulité. Tu ne crois pas ce que dit la parole de Dieu. Et tu ne vas jamais marcher dans la liberté si tu ne crois pas que Jésus t'a libéré. Et c'est pour ça que ça commence par la connaissance. À l'histoire qui m'a traumatisé d'une maman qui ne savait pas nager, qui avait peur de l'eau, puis son, son petit est tombé. Il y avait une berge, puis il est tombé, il s'est noyé. Puis quand les secours sont arrivés, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près trois pieds d'eau. Puis en fait, ce que cette femme-là, tu sais, on pourrait dire, elle avait besoin d'être délivrée de ses peurs. Mais dans ce cas-là, c'était juste de connaissance, de réaliser que l'eau n'était pas dangereuse dans ce cas-là, qu'elle était plus forte que l'eau, qu'elle avait une capacité de sauver. Et les chrétiens, souvent, c'est qu'on ne réalise pas que ça commence là. Ça commence là. Voici le point. Si tu es venu à Jésus, tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Jésus t'a donné la capacité surnaturelle et spirituelle de vaincre le découragement dans ta vie. Jésus t'a donné, te donne la capacité de vaincre la crainte dans ta vie. Jésus te donne la capacité de vaincre la plainte dans ta vie. Tu n'es pas obligé de critiquer, de chialer, t'es chrétien. Jésus te donne la capacité de contrôler ta langue et ton cœur. Tu n'es plus obligé de mentir. Tu n'es plus obligé de mentir. Jésus te donne la capacité de maîtriser ta colère. Tu dis, mon grand-père était comme ça, mon père était comme ça, moi je suis encore comme ça. Si tu es chrétien, tu ne devrais pas être comme ton grand-père, tu devrais être comme Jésus. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Jésus te donne la capacité de triompher de la jalousie dans ton cœur, de la calomnie. Si tu es chrétien, il y a quelque chose en toi qui est plus fort que la paresse. Jésus te donne la capacité de vaincre le racisme dans ton cœur. Des gens qui disent non, mais ça ne se peut pas, un chrétien raciste. Jésus te donne la capacité de vaincre Il y a des gens. Ici, l'emprise du matériel est sur ton cœur. On ne l'avoue pas. En Jésus, tu as la capacité, ton cœur est libre, tu es plus fort que le matérialisme. Il y a des gens qui ont un problème de jeu. Jésus te donne quelque chose de plus puissant que le gambling. Des gens, tu trouves réconfort dans la nourriture. Jésus va être ton plus grand réconfort. Il peut te libérer des idoles de ta vie. Jésus, tu, si tu es un chrétien, tu n'es pas esclave de la pornographie. Jésus est plus fort que la pornographie. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui est plus fort qu'à l'extérieur. Quelqu'un devrait dire Amen. Commence par le croire. Puis, puis voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. mais pourquoi j'ai de la discuter avec mon péché? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu viens à Jésus, le vieil homme, c'est-à-dire ta vie sans Jésus, avec toutes ses passions, ses... a été crucifié avec Jésus. Tu dis, mais pasteur Guetta, mon péché est tellement puissant dans ma vie. Voici ce qui, qui s'est passé. Tu es venu à Jésus, ton vieil homme a été crucifié, puis toi, tu l'as décroché. Tu l'as décroché, tu l'as massé tu l'as dorloté, tu l'as nourri, puis après ça, tu es surpris qu'il t'ait attaqué, que le vieil homme qui est plus fort que toi. Pourquoi? Parce que tu l'as décroché, puis tu l'as entretenu. Un chrétien qui décroche son péché, puis qui l'entretient, c'est sûr que tu vas être esclave du péché. Maintenant, c'est quoi la clé? La clé, c'est remets le vieil homme où il doit être, sur la croix. Ça commence ce matin avec ce péché dans ta vie qui te domine, Réalise qu'il est cloué à la croix, laisse-le là. Maintenant, voici ce qui va se passer. Alors que tu le remets à la croix, que tu le crucifies, il va jugoter. Il va jugoter. Hein, le péché, quand on commence à y résister, puis à y faire face, c'est difficile. Mais n'oublie pas, tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui te permet de résister au péché. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Il se passe quoi? Ton péché gigote. Maintenant, je te le dis, après une semaine ou deux, il va moins gigoter. Après six mois, il va être pas mal plus tranquille. Le problème, c'est qu'on le crucifie, il gigote. Oh, on le décroche. On le, on le crucifie, on le décroche, on le crucifie. C'est comme. C'est plus d'effort de pécher que de te confier en Jésus pour marcher dans la liberté. Donc, c'est possible. Crois, le chrétien a la puissance de ne pas pécher. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Puis, voici une autre clé. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Écoute la parole. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Pourquoi le, le chrétien a cette puissance face au péché? C'est parce que le chrétien vit pour Dieu. Voici. As-tu déjà entendu? Il y a des gens qui disent OK, il y a ceux qui vont manger pour vivre. Puis, il y a ceux qui vont vivre pour manger. Moi, je suis dans cette catégorie-là. Moi, j'aime manger. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui s'entraînent juste pour pouvoir manger? Ouais. <laughs> voilà, j'ai dévoilé. Moi, je m'entraîne, je cours, je vais au gym. Pourquoi? Parce que je veux bien manger. J'aime manger. Moi, je suis comme. J'aime ça. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Ouais. OK, une vie où tu fais juste te nourrir, quand tu fais juste manger pour vivre, c'est plate. Ah, vous savez, des fois, on est pressé. Tu sais, tu reviens de travailler tard, comme tu aurais le goût de manger un festin, mais finalement, tu te rabats sur une, une toast à la margarine. Ce pas le fun, là. Tu fais juste manger la toast pour survivre, hein, ou ton bol de céréales. As tu es quelqu'un, tu vas dans un grand restaurant, dit que tu veux un bol de céréales. Non, on fait pas ça. Tu, sais que tu manges pour vivre. Hein, C'est utilitaire. Mais lorsque tu arrives, tu te fais une grosse bouffe. Avec tout, t'arrives avec le beau filet mignon, puis les, les patates duchesse, puis la grosse salade de césar, la marronne, puis tout ça comme, alléluia <laughs> Moi j'aime ça. Il y a autre qu'une différence entre manger pour vivre vivre pour manger. Maintenant, c'est la même chose. Vous savez, il y a des chrétiens, tout le monde ici là qui sont chrétiens, on réalise qu'on a besoin de Dieu pour vivre. Mais il y a une différence entre avoir Dieu pour vivre et vivre pour Dieu. Il y a une différence entre oui, avoir Dieu pour ne pas avoir la vie éternelle, mais c'est pas à ça que Dieu t'appelle. Le but de l'être humain, c'est de prendre plaisir en Dieu. De la même manière que tu prends plaisir dans le filet mignon, Jésus n'est pas le bol de céréales, il est le filet mignon. Tu dois apprendre que à faire de Jésus ton plus grand trésor et d'apprendre, vous savez, le péché est un mensonge. Te faire croire que c'est la vraie affaire, que c'est le plaisir, alors que quand tu vis pour Dieu, tu réalises que c'est la plus belle des vies. Il y a une joie à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, à être en harmonie avec Dieu. Il y a une joie à marcher dans la pureté, dans la sainteté, à avoir une vie droite qui le glorifie par sa grâce. Il y a une joie, il y a un bonheur. La joie de votre salut sera votre force. Puis des gens, tu ont besoin de passer de Dieu pour vivre à vivre pour Dieu. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas une cause, on ne vit pas pour quelque chose. Quand tu te lèves le matin, là, tu fais métro, boulot, dodo, c'est toute la même routine, c'est la même affaire. La vie passe vite, c'est comme, on n'est jamais rassasié. Tu as besoin d'une cause plus grande pour vivre ta vie. Et ça, c'est vivre pour la gloire de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est honorer Dieu. La faveur de Dieu est sur ta vie, c'est la seule vie qui compte. Et quand tu as cette vie-là, tu ne veux pas retourner à une vie poche de céréales. Et regarde. Verset 11. Et là, là, on devient très pratique. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus. Est-ce que tu remarques la transition dans le texte? Ça fait 10 versets que Paul enseigne ce que Jésus a fait pour toi. Puis après dix versets, c'est là qu'il commence à dire ce que tu dois faire. OK, pourquoi? OK, donne-moi 30 secondes. Okay, idéalement, donne-moi 45 minutes, mais si tu peux me donner 30 secondes, c'est celui-là que tu me le donnes. Là. Dans la parole de Dieu, on a vu qu'il y a toujours deux types de textes. Il y a des textes, soit de loi ou l'évangile, soit des commandements, des promesses. Soit ce que tu dois faire, ce que Jésus a à faire. On, a, on dit en théologie moderne, on dit soit qu'il y a les impératifs ou les indicatifs. Maintenant, souvent les chrétiens mélangent ces deux affaires-là. As-tu remarqué que pendant dix versets, l'apôtre Paul ne nous dit pas quoi faire? Il fait juste te dire ce que Jésus a fait pour toi. Avant de te donner l'impératif, le commandement, il te donne la promesse, il te donne l'évangile. Pourquoi? Parce que tu ne vas jamais marcher de manière digne de Dieu si tu n'as pas compris l'évangile d'abord, si tu n'as pas compris ce que Jésus a fait d'abord. Parce que la puissance de ce que tu fais repose sur ce que lui a fait. Et voici ce qu'il dit. Il dit, considérez-vous comme mort au péché. Ça veut dire quoi? Paul est en train de te dire, si tu es un chrétien, cesse de te considérer comme un pécheur. Je reprends ce que j'ai déjà dit. Le chrétien n'est plus un pécheur. Si tu es un chrétien, tu n'es plus un pécheur. Tu es un juste qui lutte encore avec le péché. C'est deux choses totalement différentes. Tu as besoin de comprendre ta nature. Parce que tes actions découlent de ta nature. Ton activité découlent de ton identité. Ce que tu es découle de ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine ce que tu es. J'espère que tu es toujours là. L'exemple classique que j'aime beaucoup, c'est un homme qui passe et il voit, il voit un, un scorpion qui est en train de se noyer. Pis là, il veut, il veut le sauver. L'homme, c'est un chrétien, et il veut, il veut sauver le sauver de... Le... À chaque fois, là, le scorpion veut le piquer. Pis là, il y a un jeune qui passe, qui rigole un peu, puis lui dit, mais... Monsieur, il dit, Monsieur, ça n'a pas de sens. Là, il dit, vous voulez sauver un scorpion, puis vous voyez, il, il vous pique à chaque fois. T'sais, ne savez-vous pas que c'est dans la nature du scorpion de piquer? Puis le, le vieux chrétien le regarde puis lui dit Oui, je comprends, mais moi, ma nature, c'est de sauver. Est-ce que je dois changer ma nature parce que lui ne veut pas changer sa nature? Quelle est ta nature? Quand le chrétien pêche, nous sommes contre nature. Dieu a mis le Saint-Esprit. Pourquoi? Le mot-clé, là, ce n'est pas Esprit. Saint-Esprit. À l'intérieur de toi. La sainteté, ce n'est pas un standard aride. C'est la puissance de marcher de manière agréable à Dieu qui fait du bien autour de nous. Donc, tu as besoin de comprendre. Si tu te vois comme un pécheur, tu vas continuer à te comporter comme un pécheur. Quand tu vas vraiment te voir comme un enfant de Dieu, tu vas commencer à te comporter comme un enfant de Dieu. Amen. C'est super important. Et voici l'autre principe. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Okay, il y a plein de choses qui se passent en dedans de, il y a plein de convoitises. Ta chair veut faire toujours le contraire de ce livre-là. Mais voici ce que dit la parole de Dieu. Si tu es un chrétien, toujours si tu es un chrétien. Dis non au péché. Tu as la capacité de dire non au péché. Là des fois des chrétiens qui disent "Ah, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai tombé, j'ai chuté." En fait, c'est pas exact. Voici ce qui s'est passé. Okay. Il n'y a personne qui se réveille un matin qui se dit Je vais tromper ma femme, je vais abandonner mes enfants, je vais lâcher ma job, puis je ne veux rien savoir de Jésus. On s'entend que c'est un processus. Paul te dit Tu as besoin de comprendre le processus du péché. Lorsqu'il y a des chutes, des chutes d'eau, il y a des panneaux à un moment donné où il y des rapides c'est écrit point de non-retour. Maintenant, un bateau qui a franchi le point de non-retour, qui voit le panneau, qui néglige le panneau, ça se peut qu'il soit en mesure qu'il soit incapable de s'empêcher de tomber dans la chute. La clé c'est quand tu vois le panneau, obéis au panneau. La parole de Dieu te dit continuellement "Voici, tu t'en vas sur le chemin de la perdition, il y a un panneau, il y a un, des lumières, ça flash, il y a des anges qui te font des waves comme ça." Mais nous on continue. L'impression Je j'ai pas pu m'en empêcher. C'est qu'on est rendu, on a franchi un point de non-retour. Le chrétien mature, le Saint Esprit va toujours t'amener à comprendre que la plus grande des chutes commence toujours par le plus petit des compromis. La plus grande des chutes commence toujours par le plus petit des compromis. Et souvent on dit, on n'est pas capable de dire non au péché parce que, encore une fois, c'est qu'on est à, à l'intérieur de nous là. Dieu t'a créé pour lui et le péché. C'est ce que tu prends pour remplacer la gloire de Dieu. OK, exemple. Je parlais de Flaminion. Est-ce que des gens ici, je ne sais pas si c'est votre expérience, est-ce que vous avez des, des grands ados, des jeunes adultes à la maison? Trois personnes, OK. Euh, trois personnes, mais il y en a 150 le vendredi. Ils sont où? OK. La réalité, OK. Moi, une des choses qui... qui, qui je vous ouvre mon cœur, OK. C'est thérapeutique, là. Moi, je dis aux enfants, maintenant, les enfants disent « OK, on, on est là, on va manger. Tu sais, mon fils dit Ok, je mange, avec, je mange avec les parents. OK, parfait. T'es sûr? Oui, oui. Je vais aller chercher des filets mignons. Là. Je ne juste pas en acheter huit. sont si finis, maman et moi, en tête à tête. Tu sais, on aime ça, mais pas tant que ça, là. Oui, 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 OK. Fait que là, moi, je vais faire les commissions, on va chercher le filet mignon, fais la salle. Tu sais, les gars, la grosse enfant. Fait que là, l'enfant arrive, puis à un moment donné, on mange, puis il mange le tiers de son steak deux morceaux de salade. À un moment donné, je le regarde, tu sais, comme « T'as pas faim? » Je le prends personnel, là. Je le prends vraiment personnel. « Oui, dit maman. Tu sais, en m'en venant, j'avais faim, j'ai au McDo, puis... » Toi, tu tiens pas à la vie, hein? C'est sûr que si tu te nourris de cochonneries, t'auras pas faim pour les bonnes choses. Est-ce que vous avez besoin de l'application? Souvent, ce qu'on n'a pas appris, c'est qu'on passe notre semaine où on se nourrit du péché, y a pas, on n'a pas de communion avec Dieu, pas d'esprit de louange, pas de gratitude, pas de foi, pas de dépendance, pas de prière continuelle. On est, Dieu n'est juste pas dans nos vies. On est dans le péché, dans le péché, dans le péché, puis après ça, on est surpris qu'on n'a pas faim de Dieu. L'enfant de Dieu, le Saint-Esprit, va t'amener des fois à dire C'est quoi? Je vais laisser faire le McDo, le McDo parce que Dieu a quelque chose de mieux pour moi. C'est quoi la plus grande motivation pour rejeter le péché? C'est que Dieu a quelque chose de mieux pour moi. Puis, puis je veux juste dire aussi, des gens disent Oui, mais pasteur Guétan, on sera jamais. On aura toujours du péché dans nos vies, évidemment. On va toujours lutter, mais la sanctification, c'est une progression. Hein, comme par exemple, à l'école, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui avaient continuellement 100% dans ta matière Est-ce que tes enfants ont 100% Non, on prie pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas avoir 100% qu'on ne fera pas des efforts pour atteindre le 100%. Qu'est-ce que ça veut dire OK, quand je suis venu à Jésus, une image, okay, c'est juste une image. La sanctification dans ma vie, Jésus a nettoyé 50 de mes péchés. Les gros péchés, les affaires les plus visibles, a fait un ménage là-dedans. Quand on vient à Jésus, c'est comme Oh! Et après ça, j'ai marché avec le Seigneur, puis ça monté à 55 à 60, à 65 puis... Mon but, je dirais pas un chiffre aujourd'hui. Ma femme dirait que je suis peut-être à 98 quelque chose comme ça. Mais. <rires> <rires> Mais mon but, c'est que peu importe le, le chiffre. C'est que je veux toujours progresser jusqu'à ma mort, je veux toujours me rapprocher du Seigneur, je veux toujours être plus digne pour le Seigneur. Toujours parce que je l'aime, je, je veux ressembler plus à Jésus. Donc, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que à un moment donné, on vient à Jésus, on atteint 72, puis on reste à 72 pendant 20 ans. Parce que les, les grosses affaires sont réglées. Puis toutes les petites affaires que personne voit, qui sont. On dit mais personne n'est pas. C'est là qu'on est un antinomiste. Parce qu'on a arrêté de prendre même les plus petits péchés au sérieux. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Dis non au péché. Pourquoi c'est important? Regarde, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme âme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus à la mort et offrez à Dieu vos membres comme âme pour la justice. Ne sois pas une âme entre les mains du diable. Chaque être humain est une âme. soit une âme pour Dieu entre les mains du diable. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi est-ce qu'on traite le péché sérieusement? Parce que quand on pêche, on devient une arme entre les mains du diable. Quand on marche en obéissance à la parole de Dieu, on est une arme entre les mains de Dieu. Exemple, c'est comme en plein milieu de la nuit, un voleur arrive, tu arrives dans la cuisine, puis il y a un voleur avec une cagoule, puis tu le vois, tu prends un couteau puis tu lui donnes. Ah mais c'est imbécile. Malheureusement, je ne sais pas pour vous, mais des fois je me trouve imbécile spirituellement. Déjà, tu sais, avec tout ce qu'on sait, puis des fois, il y a... Est-ce que je suis seul qui fait des affaires imbéciles? Okay, merci pour les trois imbéciles qui sont avec moi. Nous sommes des justes qui faisons des choses imbéciles. Nous ne sommes pas des imbéciles, nous sommes des justes. Mais on, on fait des... La Bible dit, le même couteau, tu peux le donner à quelqu'un, un criminel qui va poignarder quelqu'un, tu peux le donner à quelqu'un qui va couper de la nourriture pour donner aux pauvres. Soit un arme entre les mains de Dieu pas entre les mains du diable. Et je termine, verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous, vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Vous savez, souvent les chrétiens vont dire, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Donc... On peut excuser le péché. Non, Paul dit le péché ne dominera pas sur vous. Réalise que la grâce qui justifie est aussi la grâce qui sanctifie. La même grâce qui pardonne est la grâce qui transforme. Est-ce que je peux entendre amène à ça La grâce n'est pas une excuse pour pécher la grâce est un soutien pour ne pas pécher. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, il y a très longtemps, dans un royaume, il y avait un dragon. Un dragon qui faisait beaucoup de ravages. Et le roi était déterminé à vaincre le dragon. Donc, le roi avait mobilisé son royaume, ses fils, ses enfants, tous les citoyens du royaume pour dire on doit faire la guerre au dragon. Le dragon fait du ravage, puis on ne on peut, peut pas rester passif. Donc, voici on, on doit faire la guerre au dragon. On doit vaincre le dragon. Une nuit, un prince va se promener fils du roi, il se promène dans la forêt et tout à coup il entend une douce voix qui l'appelle. Il regarde et voit c'est le dragon. Il prend son épée. Et le dragon lui dit non, 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 non. Contrairement à ce qu'on te dit, je ne suis, suis pas ton ennemi, je suis ton ami. Non, il dit mon père, dit qu'on doit te lutter, on doit te parce que tu détruis tout. Il dit non, non. Il dit en fait c'est un mensonge. Moi, la seule chose que je donne, c'est du plaisir. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est que ton père sait que je donne du plaisir, puis en fait, il veut juste te brimer, il veut juste t'empêcher d'être heureux, de t'épanouir. Donc, viens, chevauche-moi. tu vas vivre des sensations que tu n'as jamais vécues. Tu vas avoir des heures de plaisir, de bonheur. tu vas voir, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Le prince le crut. Donc, le prince a commencé à chevaucher le dragon, nuit après nuit après nuit, mais en secret. En secret. Il ne voulait pas que le, son père le sache. Il avait un peu honte. Il ne voulait pas que les autres le sachent. Mais en même temps, à chaque soir, chaque nuit, il gardait une situation secrète. Et après quelques semaines, le prince s'est rendu compte qu'il y avait un changement dans son corps. Qu'il commençait à y avoir des écailles sur ses mains, sur ses pieds. et commençait à devenir un peu plus comme le dragon. Donc, était la pire chose, la dernière chose qu'il voulait, c'était d'être dévoilé, que les gens sachent vraiment qui il était, ce qu'il vivait. Donc, il a commencé à se mettre de, des gants, de longues bottes pour se cacher, donner l'impression que tout était correct. Et une nuit, le dragon a pris un, un autre circuit et a été complètement ravagé plusieurs villages une destruction incroyable. Et le prince n'a pas pu l'empêcher, il chevauchait, puis il a réalisé qu'il ne contrôlait pas le dragon finalement, puis que le dragon, ce n'était pas son ami. Et en enfin, fait, le prince a réalisé à ce moment-là qu'il avait totalement perdu le contrôle, qu'il s'était fait tromper devant le constat, devant les dommages causés par le dragon. Et le pire, c'est qu'il était complice. Donc lorsqu'il est retourné au château, plein de réfugiés arrivaient, puis il était honteux, il sentait coupable avait honte. Et des gens ont commencé à le reconnaître. en disant « on, hey, on l'a vu sur le dragon, on l'a vu. Et là, la, la chose qu'il redoutait le plus au monde lui est arrivée. Il a été démasqué. Et là, on l'a emmené au roi, on a dit il faut, faut le condamner, il faut le bannir, il faut le lapider. Mais un prince, un enfant du roi qui, qui participe avec le dragon, c'est inacceptable. Pas de grâce pour ça. Le père est arrivé a regardé son fils. Puis il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Encore une fois, même à son père, le prince n'osait pas confesser. Il avait trop honte. Et la père lui dit, retire tes gants, retire tes bottes. Puis au moment où il a retiré, on a vu les écailles, là, les gens étaient comme scandalisés. Oh, ça pas d'allure un prince qui se transforme en dragon, c'est bien épouvantant. Puis... Et là, c'est vraiment la honte, la condamnation, la déchéance. C'est comme sa vie est finie. Il veut juste mourir, juste mourir. C'est plus facile de mourir que de faire face à ça. Et son père s'approche. Il dit, mon père, c'est sûr qu'il va me punir, qu'il va peut-être même me couper la tête. Son père lui dit, est-ce que tu vas être victorieux sur le dragon? Est-ce que tu vas être victorieux sur le dragon? Éclate en sanglots. Sang il dit Oui, mais je ne peux pas, regarde. Regarde, je suis en train de devenir un dragon moi-même. Le père lui dit N'oublie jamais que le sang qui coule dans tes veines à l'intérieur de toi est plus fort que les écailles à l'extérieur de toi. Tu es un fils du roi. Est-ce que tu veux vaincre le dragon Il dit Oui. Et il est venu à la lumière. Et le roi a posé une question. Le peuple était là et dit, qui a déjà chevauché le dragon? Et à la consternation de tout le monde, tout le monde a levé la main. Hein, parce qu'on pense souvent qu'on est le seul à chevaucher le dragon, alors qu'on a tous des dragons dans nos vies. Et le roi doit dire à son fils, si tu veux vaincre le dragon, tu dois faire deux choses. Premièrement, tu dois venir à la lumière. Deuxièmement, tu ne peux pas vaincre le dragon seul. Nous avons besoin des uns et des autres parce que le dragon est trop fort. Et les gens qui sont ici, tu chevauches le dragon. Certains ici, c'est un dragon qui dévaste et déjà, tu commences à voir les conséquences de ton péché. Pour d'autres, c'est un petit dragon, tout mignon. Mais n'oublie jamais que le petit dragon va grandir. Et que le dragon va toujours détruire. La question, c'est est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux triompher du dragon? Est-ce que tu veux triompher du péché? Ce péché qui te tient captif, ce péché dont la chose que tu redoutes le plus au monde, c'est que les autres autour soient au courant. En fait, tu es un double esclave parce que tu es tous esclaves du mensonge. La seule manière de triompher du dragon, c'est de venir à la lumière. Premièrement, de te présenter devant Dieu. Seigneur, tu vois ce péché. Je te le remets. Pardonne-moi, purifie-moi, mais cesse de fuir Dieu. La deuxième chose, tu as besoin de frères et de sœurs autour de toi. Il y a des gens qui sont ici, le dragon que tu chevauches, tu, seras, tu ne seras jamais capable de le vaincre seul. Tu as besoin d'avoir des frères et des sœurs autour de toi qui t'appuient qui prie pour toi, qui te supporte, qui t'encourage quand tu veux retourner sur le dragon. Et c'est pour ça que Jésus nous a donné une église. Donc, alors qu'on a tous nos dragons, je vais t'encourager à venir à la lumière à aller voir peut-être un frère, une sœur de confiance. Il y a des ici, tu vis des affaires qui sont tellement lourdes. Tu as besoin de venir voir un pasteur, on est là pour ça. Et de la même manière que, que le Père fait grâce au portail, nous croyons que la même grâce qui pardonne, c'est la même grâce qui accueille, qui purifie, qui transforme. Puis pourquoi on ne jugera pas? Parce qu'on a assez d'expérience pour savoir qu'on a tous des dragons dans nos vies. Soyons honnêtes, il y déjà ici le dragon de ta vie, tu es en train de faire des dégâts où tu anticipes que tôt ou tard, ça va te sauter en plein visage. Attends pas. Attends pas. Viens nous voir. Va voir quelqu'un. Mais crois que le même Dieu qui fait grâce... Pour le pardon, le même Dieu qui transforme. Puis le même Dieu qui va te donner, vous savez, des fois, ça prend beaucoup de courage pour avouer des trucs. Ça prend beaucoup de courage pour retrousser nos manches puis rebâtir ce que nos péchés, notre péché a détruit. Mais la grâce de Dieu, c'est ça également. Dieu va te donner la capacité de le faire. Dieu va te donner la capacité de restaurer ta vie. Dieu va te renouveler. Dieu va te donner une deuxième chance. Mais ne garde pas le secret. Viens à Jésus. Je pense qu'on amène à ça. Amen. Est-ce qu'on peut pencher la tête? Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi pour te dire merci. Merci pour la croix. Merci pour la victoire sur le péché. Et Seigneur, je prie pour les dragons dans nos vies. Je prie premièrement pour des frères et des sœurs qui ont des, des, des petits dragons des petits dragons qui semblent inoffensifs. Et souvent, on tolère, on excuse des petites affaires. Seigneur, je te prie que tu nous donnes de voir la nature réelle du péché. Que tu nous donnes de traiter sérieusement même nos, les petits péchés dans nos vies. Seigneur, ne permets pas que nous soyons des antinomistes. Donne-nous de réaliser que la grâce dans nos vies est une puissance contre le péché. Et Je prends en terminant pour des frères et des sœurs qui chevauchent un gros dragon. Un dragon qui cause beaucoup de ravages, qui a un potentiel de causer beaucoup de ravages, beaucoup de dévastation. Une situation qui, qui, sont, qui sont en train de perdre le contrôle, ils ont perdu le contrôle. Seigneur, je te prie de briser le mensonge du diable qui dit que les autres vont juger, les autres vont t'abandonner. Voici ce que les autres vont penser de toi. Seigneur, je te prie pour par le Saint-Esprit que tu donnes le désir de revenir à toi de venir à la lumière, de crier à toi pour être pardonné, restauré, purifié, de croire que Jésus a une meilleure vie pour eux que le dragon. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Alors que nous louons ton nom, nous adorons ton nom, fais cette œuvre de sanctification dans nos cœurs, afin que nos vies te donnent gloire. Nous avons prié dans le nom de Jésus et l'Église d'un grand. Amen, amen, levons-nous.